tous les amateurs de feux de bois le savent, l'important, c'est de bien charger le foyer. Puis d'attendre que les braises rouges se multiplient afin de dégager une chaleur incandescente. C'est fantastique, c'est une expérience formidable pour nos jeunes. Je retiens toutes les belles veillées passées, tous les moments d'échange entre différentes caravanes. C'était vraiment une expérience inouïe. Et ils ne l'oublieront jamais. Ce qu'ils ont vécu justement durant 8 jours de camp, c'est la découverte de l'Alsace, de l'Europe, et beaucoup d'activités centrées sur le développement durable et l'aide aux autres, personnes âgées, handicapées, les actions citoyennes. Un jamboree, c'est un canalisateur d'énergie qu'on distribue pendant 8 jours. Ces 15 000 jeunes ont concentré leur énergie. Et là, ils sont juste en train de se dire, je repars chacun avec ma dose d'énergie et je vais être ce diffuseur là où je vais, dans ma ville, dans mon unité scout. Et je crois que c'est vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui. Parmi les petites flamèches qui s'élèvent du foyer, certaines sont jaunes. Ce sont les 1500 bénévoles, eux-mêmes scouts plus âgés, qui ont donné le coup de main lorsqu'il y a eu le coup de vent de tempête. Quand il y a eu la tempête, bah, tout le monde les a aidés à tout reconstruire. Et on a senti qu'il y avait vraiment un grand esprit, même si on ne les voyait pas souvent. Fin... C'était grave bien. C'était archi bien. C'était le feu. Le feu, justement. 15 000 jeunes, 29 nationalités. Durant 8 jours, ils ont décroché la lune.